Salut tout le monde et bienvenue sur Formation Facile. Je vous fais une petite vidéo pour vous présenter une rubrique qui vient d'ouvrir ses portes sur le site et celle-ci en intéressera plus d'un puisqu'il s'agit d'une rubrique que vous pouvez retrouver dans nos logiciels jeux et services. C'est une rubrique de ressources en fait, ce sont des packages contenant des textures, des musiques, des animations, des objets 3D, des scripts. Donc ce sont plein de ressources qui serviront aux développeurs à créer leurs jeux vidéo. Alors, cette rubrique vient d'ouvrir ses portes. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore énormément de contenu, mais ça va rapidement arriver. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un kit de démarrage pour développeurs iPhone. Donc, ce kit de démarrage, c'est un pack qui contient 350 ressources différentes. Alors, vous pouvez avoir une liste de ces ressources. Donc, plus de détails ici. Avec eh bien, tous les éléments qu'il y a dedans. Donc 350 éléments qui vous permettront de développer des jeux iPhone. Pour avoir un petit aperçu, etc. Donc toutes les informations sont ici. Ce kit, vous pouvez le télécharger. Et je vais vous le présenter en fait, puisqu'il est assez exceptionnel. Il vous permet de développer vos jeux iPhone très très rapidement et très facilement, même si vous n'avez aucune connaissance en programmation, en graphisme, etc. Alors, la seule chose à faire, c'est d'importer le pack et de l'extraire. Donc, on fait glisser le pack dans la scène, on double-clique dessus pour pouvoir extraire tous les composants de ce pack. Alors, je l'ai déjà extrait ici, puisque ça prend un petit peu de temps à extraire 350 éléments. Et tout est bien classé dans chaque dossier. Et j'ai joint un tuto à ce pack. Alors un tuto complet qui contient 12 pages, plus d'autres petits tutos à côté. Très bien expliqué, très bien illustré, etc. Pour que vous puissiez utiliser complètement ce kit. Bon, je pourrais pas tout vous montrer, ça c'est sûr, puisqu'il y a 350 éléments différents. Mais je vais vous présenter quelques-uns de ces éléments. Donc là, en un quart d'heure, j'aurai le temps de vous présenter qu'une quinzaine ou 20 maximum, 20 éléments. Et vous allez voir que rien qu'avec 20 éléments, on va pouvoir déjà créer eh bien notre jeu iPhone. Alors vous pouvez commencer à chronométrer. Vous allez voir, ça va aller très 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 vite. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle scène. Dans Edit, Render Setting, vous pouvez ajouter une skybox. Donc dans Sky, Matériel, vous pouvez retrouver les skybox du kit. Donc on va laisser la skybox qu'il y avait par défaut. Alors vous voyez, je n'ai importé aucun package. J'ai seulement importé le kit. La première des choses à faire, c'est de créer une caméra. Une caméra qui filmera notre scène. On se place sur un axe qui nous permet d'avoir une vision en deux dimensions. Donc juste une vision de côté. Alors, je vais essayer de suivre ce que j'ai écrit dans le tuto, donc de faire un niveau à peu près semblable. Pour le moment, on va un peu pousser la caméra. Et la première des choses à faire, c'est de modéliser votre décor. Donc l'environnement, le level design. Donc dans les levels préfab, vous pouvez retrouver des textures. Donc des textures de sol. Alors, la méthode pour aller très très vite, c'est de placer votre cube en 0, 0, 0. Alors déjà, on voit rien. On va ajouter une... Non, pas ça. On va ajouter une lumière directionnelle que l'on va faire un peu pivoter et on va la masquer. Voilà, donc la méthode pour aller vite. On crée un cube. On fait CTRL D. On le déplace un cran vers la droite. CTRL D, un cran vers la droite. CTRL D, un cran vers la droite. Donc ça, c'est vraiment pour être le plus productif possible. Alors, cette texture, c'est une texture de sol. Vous voyez, il y a de l'herbe et de la boue. Alors ça, c'est le premier étage. Si vous voulez faire un deuxième étage, eh bien, vous avez d'autres cubes qui contiennent que de la boue. Donc, on va le dupliquer, on va le placer en 3. On va le dupliquer, tac, en 2.
Alors le mieux c'est d'utiliser le transform de l'objet pour pouvoir être sûr de les placer pile poil au bon endroit pour ne pas avoir de décalage. Alors je vais faire un niveau très très simple, vraiment pour vous montrer comment utiliser ce kit, comment démarrer. Après ce sera à vous de faire des niveaux plus complexes et d'avoir bon, de l'imagination pour créer vos futurs jeux. Contrôle D. Voilà. On fait attention de ne pas avoir d'espace entre les murs. Pour avoir un bon résultat visuel. Voilà. Donc là, la première étape est terminée. On a modélisé notre tableau. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on peut créer un point de départ et un point d'arrivée. Alors, pour l'exemple, le point de départ, ce sera le vaisseau spatial bleu que l'on va réduire un tout petit peu. Vous vérifiez hein, que tous vos objets aient un mesh collider. S'il n'y a pas de mesh collider, vous en ajoutez un. Et ce vaisseau bleu, ce sera le point de départ. Donc là, on démarrera notre personnage. Et le point d'arrivée, ce sera le vaisseau rose que l'on va aussi réduire puisqu'il est un peu grand. Et on va le placer tout en haut. Donc là, le niveau est prêt. Nous allons ajouter des éléments décoratifs puisque bon, c'est très très important de faire un travail soigné et varié. Donc dans les levels préfab, le dossier nature, vous pouvez par exemple trouver de l'herbe. Alors cette herbe est constituée de 4 planches d'herbe en fait. Je sais pas si on le voit bien. Et c'est fait exprès pour être placé en fait une partie devant le décor et l'autre partie derrière le décor, de manière à obtenir de la profondeur. Lorsque le personnage se déplacera, ce sera assez beau visuellement. On peut ajouter d'autres éléments décoratifs. Hein. Par exemple, dans le dossier Sky, vous avez. Non, pas dans le dossier Sky. Vous avez des nuages, donc dans le dossier nature. Les nuages doivent être placés à l'arrière de votre tableau. Donc là, il est ici. Vous voyez, mais nous, on doit le placer un peu plus loin. Donc encore une fois, ça donnera pas mal de profondeur. Vous pouvez dupliquer ce nuage, le placer ailleurs. Alors bien sûr, il faut changer sa taille ainsi que sa rotation pour ne pas avoir d'éléments qui se ressemblent. Pour faire des choses assez diversifiées. On peut en faire des plus petits. Voilà. Donc après, à vous d'imaginer et de modéliser vos décors, vos environnements. Donc là, j'utilise qu'un seul modèle de nuages, mais bien sûr, vous en avez plein dans le pack. Vous avez des nuages de plusieurs couleurs différentes, ce qui vous permettra de diversifier encore plus le décor. On peut ajouter un arbre. Alors, l'arbre doit être placé à l'arrière de notre décor. Comme ceci, par exemple. On va même le mettre ici. Bon. On peut ajouter une plante qui doit être placée aussi. Du moins un peu derrière l'herbe. Vous pouvez jouer sur la rotation et la position ainsi que la taille de votre objet. Donc là, disons que le décor est modélisé. Ce qu'on va faire, c'est créer une plante magique qui permettra à votre personnage de pouvoir atteindre la plateforme ici qui est trop haute pour lui. Donc voilà. Et voilà. Donc cette plante magique est une plante qui peut voler. On va ajouter quelques ennemis. Donc par exemple ce petit monstre. Par ici. Alors tous nos objets sont. Enfin, pas tous nos objets, mais vous avez des préfabs qui sont déjà animés. Et vous avez des monstres qui ne sont pas encore animés, mais que vous pouvez animer grâce à notre extension d'animation. Vous avez un tuto qui vous explique comment animer vos personnages. Donc tout ça sera très bien expliqué et très clair. Et nos personnages ne sont pas en mouvement par défaut,
Mais vous pouvez ajouter un script, le Move Monster script, par-dessus ce monstre pour pouvoir le mettre en mouvement. Donc, vous voyez, c'est très, très rapide, très facile. Tac, notre monstre est déjà en mouvement. On peut pourquoi pas ajouter des objets bonus. Un diamant. C'est un diamant qui explose lorsque vous le ramassez et qui vous donne des points supplémentaires. On va ajouter un personnage principal. Voilà, notre héros. Donc le héros est animé. Tout est déjà préconfiguré. Mais bien sûr, même si les éléments sont déjà prédéfinis, donc prêts à l'emploi, dans le tutoriel fourni avec le kit, vous avez toutes les informations relatives à la construction de tous les éléments du kit. Ça veut dire que vous serez capable vous-même de créer vos propres éléments exactement comme je l'ai fait pour construire ce kit. Donc au moins, ça n'aura plus aucun secret pour vous, donc vous serez capable de faire vos propres éléments. Et si vous n'avez pas envie de vous fatiguer, eh bien tous les éléments sont de toute façon déjà configurés et déjà prêts à l'emploi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la caméra. On va ajouter un audio source. On va mettre un peu de musique. Où c'est que j'ai mis la musique? Son. Voilà. On va mettre notre musique ici. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un script à la caméra qui nous permettra de suivre notre personnage. Alors tout ce que je fais est expliqué en détail. En détail sur le dans le tuto. Ah. Voilà. Donc il y a des petits paramètres à régler. La distance de la caméra, la hauteur, l'amortissage en fait des lorsque vous faites des mouvements et le personnage à suivre. Donc nous, ce sera le héros. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Donc là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Vous avez vu à peu près comment construire un niveau. Alors on va baisser le son. Tout est déjà préconfiguré. Donc on se met en 4 tiers pour avoir la résolution de l'iPhone. Et on lance le jeu. Le son. Ok. Donc tout est déjà configuré. Votre personnage marche. Vous pouvez ramasser les objets. Tac. Votre montre est en mouvement. Si vous le touchez, vous mourrez. Donc là, notre personnage fait l'animation de mort. Mais comme on n'a pas configuré le script qui tue le personnage, eh bien, il ne fait que mourir, mais il veut continuer le jeu. Vous avez votre feuille qui permet d'atteindre des endroits un peu trop haut. Et vous pouvez atteindre le vaisseau spatial. Alors, bien sûr, vous pouvez régler par script et dire que si on touche le vaisseau spatial rose, eh bien on passe au niveau suivant. Donc tout ça est expliqué aussi dans le tuto. Vous avez aussi des scripts de collision. Donc vous avez vu lorsque j'ai ramassé le diamant, ça a fait exploser le diamant, ça a ajouté des points à mon personnage. Donc tout ça fait partie des scripts prédéfinis du personnage et que vous pouvez comprendre leur utilisation en fait toujours en regardant le tuto. Et vous avez vu, sans connaître la programmation, sans rien modéliser, donc sans ouvrir une seule fois notre éditeur de script, eh bien on a réussi à créer un premier niveau qui est pas mal, que vous pouvez enregistrer donc sur une première scène et passer au niveau suivant. Donc ça prend que quelques minutes à modéliser vos niveaux. Pour modéliser à peu près 20 niveaux, ce qui ferait un bon jeu iPhone, vous en aurez pour peut-être 1 ou 2 heures, grand maximum, et vous pouvez créer vos jeux iPhone à la chaîne. Donc là, je vous ai présenté qu'une dizaine ou une quinzaine d'éléments. Je vous laisse découvrir les 350 autres, enfin, les 335 autres éléments de ce pack par vous-même. Vous pouvez enrichir ce pack et ajouter vos propres textures, vos propres objets. Et puis j'insiste, hein, sur le fait que c'est une extrême simplicité de créer ces niveaux, simplement en utilisant les ressources de ce pack. Et en plus, comme l'iPhone est une machine bien moins puissante que votre PC, eh bien vous ne pouvez pas faire tourner les mêmes jeux sur iPhone que sur PC. L'iPhone n'est pas capable de faire tourner de choses trop complexes et ce pack a été construit pour respecter les ressources de l'iPhone. Si on regarde dans les stats, on n'a que quelques appels à la mémoire. Donc même dans le niveau, le grand maximum c'est 15. Donc on respecte largement les limites de l'iPhone. Ce pack a été pensé pour ne pas user trop les ressources de l'iPhone.
Donc vos jeux seront fluides et très amusants. Merci, au revoir.